Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Blablarte. Et dans cette vidéo là, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour un challenge qui s'appelle le One Color Challenge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un challenge qui a beaucoup été fait auparavant par les artistes. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je voyais, je me dis pourquoi pas que je le teste aussi moi de mon côté. Et que je vous propose de tester aussi vous de votre côté ce challenge. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on utilise une seule couleur dans le dessin. Donc c'est à dire, imaginons, là j'ai décidé d'utiliser du jaune, vous le verrez dans la vidéo. Et bah ça veut dire que vous devrez utiliser que du jaune. Que du jaune, mais que du jaune dans le sens où vous prenez que des matériaux jaunes. Ça veut dire que du crayon couleur jaune, feutre jaune, peinture jaune, pastel jaune, peu importe le matériel que vous voudrez utiliser, ce sera que une seule couleur. Et là on est parti sur un One Color Challenge spécial jaune. J'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou en mettant des likes sur cette vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir de voir. N'hésitez pas aussi, pour ceux que ça intéresse, d'aller voir la barre d'infos, il y aura toutes les références des matériaux que j'ai utilisés dans cette vidéo, mais aussi tous les liens des réseaux sociaux. Vous pouvez suivre toutes nos actualités, que ce soit personnelles ou ce blabla tout simplement. Donc sur ce, on vous embête pas plus longtemps, on espère que ce challenge vous donnera envie de le réaliser aussi de votre côté, et c'est parti. Thank you.
sur ce challenge du dessin est terminé. On espère qu'il vous aura plu tout autant que nous. Il nous a plu et être réalisé. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des idées de challenge artistique que vous voudriez voir sur cette émission Blabla. Ce sera avec plaisir de répondre à vos commentaires comme d'habitude. Et au passage, comme d'hab, tous nos réseaux sociaux et les réseaux sociaux de Blabla sont barres d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a énormément d'exclusivités ou de choses à aller voir dessus. Donc n'hésitez surtout pas. Et sur ce, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour de futurs sujets ou de challenges artistiques.